Problème sur un convecteur électrique. Donc soit il fonctionne mal, ou alors il chauffe pas du tout, ou alors il y a pour tout autre problème électrique. Donc là, je fais une vidéo, c'est pour vous informer au niveau de la pièce éventuelle à changer et à regarder en premier. Voilà. Donc ne pas changer tout de suite le convecteur, ne pas dire le convecteur il est foutu. Il faut déjà regarder d'où vient le problème. Et il ne faut pas acheter, comme a voulu faire le vendeur auquel je suis allé voir, exprès justement pour avoir son avis. Il a voulu me faire changer carrément le boîtier de commande. Donc là, c'est un convecteur électrique. Voilà, il y a des panneaux réflecteurs à l'intérieur. Bon, ça fait son poids. Donc la marque, je vous fais voir éventuellement la marque. Voilà, Schaufelec. Alors après, ça dépend de la marque, parce que en général, enfin, je dis en général, hein, bien sûr, ne prenez pas tout au premier degré, ça sort de la même usine, voilà. Parce que bon, personnellement, j'ai travaillé dans cette usine, voilà. J'ai moi-même construit à la chaîne des convecteurs comme ça électriques, donc je sais de quoi je parle. Donc pour la marque, je vous fais voir la marque, mais ça peut être une autre marque, voilà. Ils changent simplement l'étiquette, voilà. On a plusieurs étiquettes. Et c'est suivant les commandes, voilà. Donc, grosso modo, voilà. Qu'est-ce qui se passe sur celui-ci? Alors, je vais vous expliquer parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Sur celui-ci, le problème, c'est que il ne tient pas la température, il ne tient pas la chauffe. C'est-à-dire qu'on monte en température, mais le problème, c'est qu'il redescend et ben, il stagne à 7 degrés. Mais sinon, le boîtier de commande. Donc le voilà, je l'ai déjà démonté. C'est pas dur. Il y a deux ou trois vis à défaire derrière. Donc voilà, il est fixé ici. Voilà, vous avez des vis ici. Et vous n'avez que ça comme fil. Voilà. Au niveau des fils, vous n'en avez que deux qui sont, voilà, qui font 2,5 mm carrés. Voilà, environ, avec des cosses. Et deux autres petits qui sont reliés sur un seul câble. Voilà. Alors désolé, c'est l'autofocus qui a du mal à se faire. C'est pas évident des fois. Voilà, grosso modo, voilà. Vous avez donc un câble avec deux petits fils, avec deux petites cosses et deux gros fils séparés avec des cosses. Donc tout ceci, bien sûr, est relié donc ici sur les cosses. Voilà. Donc je vous mettrai les photos dans la vidéo, comme ça vous allez mieux comprendre. Et voilà, la sonde que je vous parle, c'est cette chose-là qu'on voit. Je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, c'est ce que vous voyez là, en plein milieu de l'écran. Donc, si on peut voir, je vais essayer de faire au mieux. Voilà. On voit déjà une cosse qui est dessus, à gauche, et la cosse à droite est libre. C'est normal puisque c'est justement un de ces fils-là qui va venir dessus. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le problème sur ce modèle-là, on le monte en température, mais il descend et il stagne. Affichage digital, tout se passe bien. Voilà. Sauf que il descend. Voilà. Donc dans mon exemple, ce que je suis en train de vous dire à l'instant, au niveau du fonctionnement, donc il faut bien retenir ce que je vous ai dit. Si après c'est l'affichage digital qui déconne, où, vous vous apercevez que c'est surtout au niveau de l'affichage que ça déconne. Là, ce n'est pas forcément au niveau de la sonde. Voilà, donc moi le problème que je vous parle, c'est qu'il faut déjà regarder la sonde. Voilà, avant de dire je change le convecteur ou je change le boîtier complet. Parce que le boîtier complet, là, il y en a pour 70 euros. Voilà, à peu près. Par rapport au modèle que je viens de vous faire voir. Alors, le modèle exact. Je peux vous le faire voir, il n'y a pas de souci. J'ai rien à cacher là-dessus. Donc voilà, grosso modo, voilà. On va essayer de faire au mieux, parce que des fois l'autofocus il ne veut pas se faire. Voilà, le modèle, il est là. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc il faut déjà regarder donc si la sonde de température, c'est ce qui maintient. C'est ce qui prend la température ambiante et qui donne l'ordre de se déclencher. Voilà, tout simplement. C'est une sonde de température. On peut appeler ça différemment. Donc,
Ce qu'il va falloir faire, c'est le fil qui vient donc, qui est d'ici, le fil qui est là, voilà. Alors c'est soit le blanc, soit le marron, je ne me rappelle plus. Je vais voir ça sur les photos après. Le fil, donc un de ces deux fils-là que je viens de vous montrer, il doit venir ici, sur la cosse qui est là, voilà. Celle-ci, il y a une cosse là. Il doit venir dessus. Donc ce que vous faites, vous enlevez ce fil-là, celui-ci-là, et vous le remplacez par le fil qui venait là. Donc autrement dit, pour expliquer au mieux, un de ces fils-là qui venait sur la cosse là, vous le mettez à la place de celui-ci. Voilà. De façon à isoler la sonde, de façon à passer, ne pas passer par la sonde, passer directement, sans passer par la sonde. Donc vous prenez le fil, un de ces deux-là, qui normalement vient par là, vous le mettez là. Voilà. C'est-à-dire que vous enlevez celui-ci et vous mettez à la place, de façon à passer outre la sonde. Et après, ben, celui qui reste, alors c'est soit le blanc, soit le marron, ben, vous le remettez, bien sûr, à la bonne place, là où il était. Alors comme là, je n'ai pas la photo sur les yeux, parce que je suis en train de filmer avec mon smartphone, et ben, la photo, elle est dedans. Donc vous remettez donc le fil et vous remplacez celui-ci. Et vous regardez si ça fonctionne, tout simplement. En fin de compte, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme si que je branche, que je rebranche le tout sans passer par la sonde. Voilà. Le but, c'est de ne pas passer par la sonde et de regarder si ça chauffe. Voilà. Il faut regarder si ça chauffe, si vous pouvez baisser. Et bien sûr, le convecteur ne va pas se couper puisqu'il n'a plus, il a plus de repères. C'est-à-dire que c'est la sonde. Comme la sonde, bah, elle n'y est plus, vous l'avez enlevée, eh bien, il n'a plus de repères. Donc si vous le mettez, par exemple, c'est un exemple, à 25 degrés, eh ben, il va falloir, à un moment donné, l'éteindre. Parce que le problème, c'est que ça va chauffer à 25 degrés, 25 degrés, 25 degrés, mais continuellement, ça ne va pas s'arrêter. Et le problème, c'est que c'est peut-être pas bon non plus pour le convecteur lui-même. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement pour faire un essai. C'est juste pour voir si la sonde, c'est le problème de la sonde. Si le problème n'est pas résolu par rapport à ce que je viens de vous dire, alors le problème, c'est que ça viendrait peut-être de la carte. Donc là, je pense qu'il va falloir changer complètement le boîtier. Donc concrètement, il faut déjà essayer de passer outre la sonde. Voilà, et de voir si ça chauffe, ça monte. Vous le montez à 25 degrés, vous regardez si ça tient pendant, je ne sais pas, bah, 10 minutes. Ensuite, vous le baissez à, je sais pas, on va dire, allez, je vais un exemple à 10 degrés. Voilà, avec, bah, bien sûr, avec les touches, hein, avec ici, avec les touches, vous le baissez et vous regardez si ça tient à 10 degrés pendant 10 minutes. Si c'est bon, eh bien, le problème, il vient de la sonde. Donc, la sonde, elle coûte 15 euros sur Internet. Voilà. Contrairement à ce que le vendeur m'a dit. Il faut changer complètement le boîtier à 70 euros. Oui, mais moi le problème c'est que moi je suis électricien de maintenance, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, je fais cette vidéo, c'est pour vous prévenir de ne pas tomber dans le panneau quand on va vous dire changer de convecteur, faites déjà un essai vous-même. Alors attention, c'est du 220. Donc là, bah, faites attention à vos doigts et faites pas de bêtises. Éventuellement, bah, mettez des gants. Donc, que vous dire de plus? Comme je vous ai dit, si au niveau de l'affichage digital tout se passe bien, c'est probablement la sonde. Voilà, probablement. Après, je vous ai dit, il faut faire un essai. Voilà, parce qu'on ne peut pas deviner comme ça. Et ce n'est pas à tous les coups la sonde. Voilà. Donc, vous achetez cette sonde, mais il faut tester avant, bien sûr. Il ne faut pas acheter la sonde avant. J'ai pas dit que c'était 100% la sonde, j'ai dit c'est peut-être la sonde. Donc vous essayez, voilà. Et si c'est bon, vous achetez la sonde. Je vais vous mettre le lien sur Internet. Vous regardez et éventuellement bah, vous changez la sonde et voilà, bah, vous avez gagné. Bah, vous avez gagné soit 70 euros pour le boîtier complet de commande,
Ou alors, ben, vous avez gagné 350 euros pour le convecteur complet. Voilà. Donc ça, c'est un modèle chambre-cuisine. Voilà, il fait à peine 1 mètre de largeur. Il fait son poids. Voilà, le poids, je pense qu'il fait au moins 20 ou 25 kilos. Voilà. Donc après, ben, essayez déjà cette solution-là. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas et je vais vous mettre le lien dans les commentaires et la description, bien sûr.